Si depuis un certain moment, les taxis se font rares dans la plupart des quartiers du Grand Libreville, c'est tout simplement parce qu'ils protestent contre les taxes prélevées non justifiées par certains syndicats du transport. Depuis un certain temps, un soi-disant syndicaliste, un chômeur de son état, se permet d'exploiter l'espace, le domaine communal en prélevant malhonnêtement 1000 francs aux transporteurs. Mais on ne comprend pas pourquoi ici, le seul site dans la gare routière d'où on paye chaque voyage à 1000 francs. Pourquoi ? On travaille ou quoi ? On transporte qui ? La situation semble sans issue, mais les autorités municipales ont tenu à s'exprimer sur certains points de désaccord. Il n'y a pas un arrêté qui a été délivré aux syndicalistes. Sinon, ils devraient vous montrer les quittances, les redevances qu'ils payent au trésor public. C'est du ressort de la commune, c'est-à-dire de la municipalité de Libreville, à travers les services techniques qui sont compétents, les services compétents. Pour un système de transport urbain plus efficace et durable, il est essentiel que toutes les parties concernées privilégient le dialogue et la coopération.